Oui, bonjour madame. Excusez-moi, vous appelez si tardivement, je me suis rendu compte que j'ai pas reçu mon colis stratégique. Mon colis stratégique. Vous avez commandé sur Auchan.fr, monsieur? Non, au Auchan d'Amiens. Je suis bien au Auchan d'Amiens ou pas? Ah non, 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 vous êtes sur une plateforme, monsieur. Ah d'accord. Je pourrais me mettre en liaison avec eux, s'il vous plaît. Avec Amiens, c'est ça? Oui, Amiens, oui, dans le 80. Comment? Le secteur, il me semble c'est high-tech, je pense. High-tech, oui. Tout ce qui est informatique, missiles Predator, tout ça, quoi. Ouais, multimédia. Parce qu'il y avait une RCXD dedans et je l'ai toujours pas reçue, c'était pour Noël et c'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant, quoi. Merci, merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, c'est de vous appeler aussi tardivement. J'ai un problème, je n'ai toujours pas reçu mon colis stratégique. Vous n'avez toujours pas reçu quoi? J'ai pas Mon entendu, excusez-moi. Colis stratégique. Il y avait une RCXD dedans, je devais le recevoir pour le 23 et on est le 28 et je n'ai toujours pas reçu. Là, vous êtes à Auchan, Amiens Sud. Oui, Amiens Sud, oui, dans le 80. Dans le 80, tout Oui, tout à fait, donc c'est normal. Okay. Donc voilà, donc je n'ai pas reçu mon colis et je. C'est quoi comme colis, monsieur? C'est du Auchan.fr que vous avez commandé? Bah, en fait, c'est-à-dire que je l'avais été dans le magasin. Oui. Comme j'étais à vélo, je n'ai pas pu le prendre. Du coup, on m'a dit qu'on me l'enverrait. Et c'est quoi comme produit? Un ordinateur RCXD, s'il vous plaît. Ben, voilà quoi. Et vous allez vous le livrer, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Parce que comme j'étais à vélo, je ne pouvais pas le prendre. Bah le vendeur du rayon, sur le coup je lui fais confiance, hein. En plus il y avait des Little Non, Bird et monsieur, tout, monsieur, donc c'est servi, hein. C'est juste que je suis surpris que vous. c'est Culagent. Vous l'écrivez? CU2LA. CU2LA, Jean. Et c'est un produit que vous avez commandé en magasin, c'est pas un produit que vous avez commandé sur Auchan.fr. Non, 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 je fais pas d'achat par internet, j'ai pas confiance. J'ai rien à votre nom comme facture. Bah, parce que ça m'a. Parce que. Ah non, ça m'a quand même coûté cher cet RCXD, parce que j'ai quand même payé 400 euros et on m'a dit qu'on me le livrerait, enfin, le lendemain, quoi. Là, j'ai rien du tout. C'est un ordinateur, c'est ça? Un ordinateur RCXD, voilà, oui. C'est quoi la marque de l'ordinateur? C'est un Samsung RCXD. Un Samsung. Voilà. Vous avez une commande, quelque chose, un papier? Oui, je dois avoir ça sur mon pote. Voilà, oui, sur mon Non, mais poney, si oui. vous pouvez me donner le numéro de commande ou autre, s'il vous plaît. Le numéro de commande. Attendez, ça a combien de chiffres? Qu'il n'y a pas de chiffres, alors là. Généralement, ça commence par 101. Ah oui, ça doit être ça, alors. C'est 101 404 K7 2 164. K7 2Q. Ah, je vous en montrerai, là, monsieur. 100, 101 404 J'ai pas Excusez-moi. entendu la fin. C'est quoi la K7 fin de la fin, K monsieur? K Il y a un K dedans. Bah ouais. Moi, je devrais avoir que des chiffres normalement. Ah bah Vous vendez comment? ça va être le numéro d'en dessous alors. Bah ça, en dessous c'est 101 69 400. 69 400. Non parce qu'au pire des cas je reviens avec le papier et on me redonnait je sais pas un Reaper ou un Octopode. C'est environ la même valeur, mais ce serait inquiétant parce que du coup, je crois que j'ai usé un peu. Non, parce que j'aurais usé mes économies pour rien, quoi. Surtout qu'il y avait des Harrier ce jour-là et j'avais hésité pour les Harrier ou les D'accord, Pavlo, votre nom quoi. de famille c'est Culagent, c'est ça? Mon nom de famille c'est Kula, c'est U2LA, et mon prénom c'est Jean. D'accord, et vous habitez à Amiens? Amiens, oui. Bon,
c'est pas normal. Bah non, vous êtes pareil, vous. Et est-ce que vous avez une référence produit, un code à 6 chiffres à côté du produit qui est donné sur votre facture? Le vendeur, c'était qui? Ah bah, je sais pas, moi. Vous devez avoir un nom de vendeur sur la facture, normalement. Ah non, j'en ai pas. Oh, c'est étrange, ça. C'est bizarre. Bah... Ah bah ouais. Ah Samsung, c'est ça, un Samsung RCXD explosif et tout quoi. Parce que j'avais fait 4 frags et tout, donc normalement je devais l'avoir quoi, mais Moi le truc c'est que je trouve rien en fait, c'est ça qui est bizarre. Alors des livraisons en informatique on en fait, quoi, mais c'est pas des choses. Ouais bah je sais, c'est ce qui m'avait dit que c'était un Pavlo qui me l'aurait livré le jour même, ou le lendemain quoi. Mais je l'ai toujours pas reçu. Combien l'ordinateur, monsieur? 499,99 euros. Donc c'est quand même une grosse somme, hein. C'était le 23. Donc c'est. Non, c'était le 20. Non, c'était le vers le 20. C'était en, la fin, c'était la semaine juste avant Noël. C'est le vendredi ou le jeudi. D'accord. Parce qu'au pire des cas, envoyez-moi un Preda ou un drone de Rocco, quoi. Parce que c'est inquiétant, quand même. Pardon, je vous ai pas entendu, monsieur. Envoyez-moi un Preda ou un drone de reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est sur le coup, c'est quand même assez inquiétant, votre histoire. Ouais, mais le truc, c'est que je vous trouve même pas, quoi. C'est sur votre facture ressemble à quoi? C'est bah, une feuille A4 ou c'est un petit bordereau? Non, c'est une feuille, une fiche quoi, enfin une fiche blanche carré blanc, enfin un carré, ouais. Voilà. Ouais. Et tout en haut de cette fiche, il n'y a pas un numéro de commande ou en face de votre nom en fait. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, vous m'avez dit 101. 101, 64, 400. 101, 64. 400. Ouais. Parce à moins qu'il y ait une bombe UM dans votre magasin, c'est vrai que c'est inquiétant cette histoire. C'est que ça serait une arnaque de 500 euros quand même. 64-400. Alors, moi, 64-400, j'ai bien quelque chose, mais c'est Denis Robert, et c'est même pas ça, c'est un téléviseur. Donc, c'est pas ça, rien à voir. Son fils s'appelle Maxime. Mais je trouve que c'est même avec votre nom, je devrais pouvoir vous trouver, moi, Cula. À Amiens. Ah, Amiens, 80 000. Votre prénom, c'est Jean, c'est ça? C'est cela, oui. J-E-A-N. Vous voulez mon deuxième prénom ou pas? Un numéro de téléphone, est-ce que vous avez ça, s'il vous plaît? C'est vrai que j'en ai un, mais là, je le connais pas par cœur, parce que j'ai un nouveau téléphone à Noël. C'est pas grave, je vais vous rechercher avec le prénom, le nom, la ville, mais je vous trouve même pas. Au pire, si je vais en magasin avec la feuille, je peux avoir des dommagements. Ah, voilà, on verra, on pourra chercher, là, on aura vraiment plus de crash, je pourrais regarder les informations qui m'intéressent sur votre facture. Hein. Ouais, ou même un autre produit équivalent, parce que là, sur le coup, c'est vrai que c'était pour mes études et j'en avais vraiment besoin, avec mon Yui et tout, quoi. Ah, c'est inquiétant. Non, mais oui, si vous pouvez vous débuter, vous pouvez passer en magasin, on regardera. Ouais, c'est sûr, puis vous pouvez pas m'envoyer un Warthog ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Un quoi? Un Warthog. Bon, ça va, ouais, c'est 11 frags quoi, ça va vite. Hein. Je vous entends très mal. Ou 4 flags. Deux secondes. J'ai une syllabe sur deux, c'est incompréhensible en fait. Ah, excusez-moi. Ouais, je disais, vous pouvez pas m'envoyer un Warthog ou un quelque chose du genre hein? Ah, bah non, ça je peux pas faire. Ah, vous pouvez pas? Non, ça je sais pas possible. Ou un, un missile Predator, enfin juste en attendant, parce que là je suis très embêté, hein, c'est-à-dire que. Ouais, bah, si vous voulez, moi je peux pas envoyer, je vous trouve même pas. Ah ouais, c'est sûr. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui, je... Avec votre nom et le numéro de commande, je trouve même pas de trace d'un achat dans mon rayon. Ah, donc, en fait, c'est comme si j'avais... C'est comme si j'avais... J'allais vous demander votre numéro de téléphone pour vous rappeler, j'allais aller vérifier au niveau des... Mmh. Non, mais je vous demande un instant, monsieur, deux secondes. D'accord. Moi, je peux aller vérifier aux dates d'achat dans les livraisons qui étaient prévues, là, je pourrais vous retrouver, mais il faudra votre numéro pour vous rappeler. Donc, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais acheté des chiens de combat, mais que j'existais pas dans votre ordinateur, quoi. C'est comme si j'étais jamais venu. Bah voilà, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, je trouve pas. Ah, sacré chien de combat.
Alors après, la solution, c'est que j'aille vérifier au niveau des caisses par rapport aux livraisons. Si vous dites que c'était une livraison qui était prévue, on a un fichier de livraison. Donc là, après, je pourrais peut-être retrouver. Mais ouais, ça va me prendre un quart d'heure, 20 minutes, le temps de chercher. Mais voilà, je voudrais prendre votre numéro pour vous rappeler. D'accord. Bon bah voilà. Bon, au pire des cas, j'essaierai de me déplacer avec BO2 demain. D'accord, ok, pas de problème, monsieur. D'accord. Et puis ouais, puis je viendrai avec les Harriers. D'accord, ça marche. Donc je viendrai avec la feuille, les Harriers, les Pavlos demain. D'accord. D'accord. Très bien. Bah merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir.